Yo et bienvenue dans l'aventure Minecraft épisode 12. Oui les amis, épisode 12, donc je suis désolé, pendant 2 jours j'ai pas sorti de vidéo. Tout simplement parce que je ne les avais pas tournées ces vidéos. Donc aujourd'hui j'ai quelque chose à vous parler d'assez exceptionnel. Alors vous allez surtout me dire, ouais mais Sword, c'est quoi ce titre putaclic là? Non, tu sors pas du tout une nouvelle série. Eh bien si, mais justement, je vais vous en parler. Let's go, si j'arrive à faire ce saut totalement merdique. Je viens de frapper mon âne sans faire exprès. Voilà, vous l'avez tous vu, il était en train de cramer. Et c'est pour ça que je vais prendre donc du blé pour aller régénérer sa vie. Voilà, ça devrait suffire très largement. Le soleil est déjà en train de se coucher. Non, pas du tout. En fait, ce qui est chiant en fait avec ce téléphone, c'est qu'en fait, vu qu'il n'a pas beaucoup de puissance, eh bien, tu manges des... Ok, cool. Ok, d'accord, j'espère. Bah, voyons voir combien de vie il est maintenant. Il a récupéré toute sa vie. Ça, c'est good. Ça, c'est fait. Donc, en même temps, vous parlez de la nouvelle série que je compte lancer, que je nommerai La Quête de l'End, qui est un nom que je trouve extrêmement badass. Eh bien, je vais construire un moulin à eau. Et donc, en parlant de moulin à eau, attendez, livre vierge. Attendez une minute, donc là j'ai livre vierge. Attendez, faut juste que je vérifie un truc, écrire. Il y a bien les coordonnées de la maison, donc aussi juste avant de faire ça, je vais nommer ce livre d'un autre nom que le livre vierge, parce que, et bah comment dire que bah ça va confondre un peu les prénoms. Entre mes autres livres, si vous voyez ce que je veux dire. L'aventure, voilà, on va nommer donc ce livre le guide de l'aventure. Nice, voilà, donc comme ça on a le guide de l'aventure qui va nous aider quand même ça pour avoir les coordonnées, etc. etc. En revanche, je sais pas du tout pourquoi on a un deuxième livre vierge. Attendez, il y a les coordonnées de la maison dans celui-ci. Ne me dis pas qu'il y a c'était un bug. Non, hop, juste écrire. C'était un bug, on a deux livres. On a deux guides de l'aventure. Et bon, moi c'est cool. Et donc pour créer ça, ben on a besoin de bois. Donc on va prendre donc tout le bois possible. Ça, je sais que ça fait une planche au final. Donc hop, on va juste créer, pouf, la planche entière. Ça, c'est good. Ben non, on a toujours les deux. Non, en fait, mince, je me suis gouré. C'est pas grave. On a de l'escalier, ouais, ça peut toujours être utile. Des barrières, ça peut toujours être utile. Des sticks. Avoir une porte, évidemment, et des tables de craft, évidemment. Nice, bon bah, on a à peu près tout le matos, je crois. Peut-être qu'il faudrait de la pierre, au cas où, on sait jamais. Donc je vais prendre de la pierre et de la dirt, au cas où, s'il faut. Donc ok, la dirt, ça va nous servir strictement à rien. Voilà, je pense, là, ça devrait être parfait. Donc la nuit commence à tomber, j'aimerais juste dormir un petit coup, juste pour pouvoir, voilà, cool. Juste pour pouvoir se reposer, puis on va aller au bord de la rivière. On utilise donc la fameuse porte qu'on avait construite, qui est en moyen déjà vachement plus rapide. Et voilà. Et donc pendant que je me conduis et que je vais construire ce fameux moulin, bah, je vais vous expliquer un peu ce que je compte faire de cette nouvelle série. Hein. Le moulin, je vais le faire. Je sais pas encore où je vais faire le moulin, par contre. Ça va être problématique. Je vais le faire juste ici, à côté. Et en passage, bah, je vais aplanir le terrain. Il y a un zombie là-bas, donc il va falloir faire gaffe. Ok, donc par rapport donc à cette nouvelle série que je compte appeler la quête de l'End, mon but par rapport à l'aventure Minecraft, là, ça va être de buter l'Ender Dragon. Car si je vous l'ai pas dit, mon but là, de buter, mon but dans cette série, c'est de... Je veux pas buter l'Ender Dragon, en fait, je ne compte pas le buter, en tout cas. Pour l'instant, pourquoi? Car là n'est pas mon but. Cette série a été lancée pour profiter de Minecraft, pour essayer de faire les choses les plus belles possibles. Alors on va tout simplement se lancer sur des objets assez cool, ce qui nous sera très utile. Voilà, enfin très utile. Ce ne sera pas spécialement utile, mais c'est. Ça donnera envie de continuer à jouer et je pense que c'est,
C'est ça qui va me donner le plus envie de continuer cette série. Et aussi, je vais lancer un objectif de like. Et voilà, quelques torches pour éclairer, ça nous fait une belle petite salle. Et maintenant, bah, ce serait cool d'aller récupérer du bois. Et voilà, ça devrait largement suffire. Ensuite, la nuit, non, pas encore. Encore en train de tomber. Donc, par rapport à cet objectif de like, pourquoi je lance un objectif de like? Tout simplement parce que ça me donnera vachement plus. C'est pas parce que j'ai envie de gratter des likes, pas du tout. Je suis pas du tout ce style de personne, c'est juste. En ce moment, je suis pas spécialement motivé par YouTube. Je sais pas si plusieurs personnes vont comprendre ça, mais je suis pas spécialement motivé par YouTube. On va vraiment dire, et s'il y a des personnes qui aiment bien qui aiment bien mes vidéos, bah je vous conseille, c'est un conseil. Moi j'adorerais hein, que vous fassiez ça automatiquement sans même que j'ai besoin de vous le demander. Mais si vous pourriez liker, moi ça me fait juste extrêmement plaisir. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et c'est. Enfin, ça aide. Moi spécialement, je serais extrêmement content que je voie que des personnes qui sont. Qui aiment bien ma chaîne. Parce que. Alors là, à mon avis, mon problème là, ça va être. De ne pas pouvoir remonter parce qu'en fait, je m'étais mis en sneaky. Ce qui fait maintenant que je peux pas remonter. Génial. Il va falloir trouver un moyen de remonter. Bon, je suis désolé de m'être mis en créatif, mais j'étais obligé, parce que regardez, voilà. Là, je suis... Voilà, sinon j'aurais pas pu m'en sortir. Et ça aurait été une mort totalement idiote. Donc voilà, je me suis juste mis en créatif comme ça, parce que sinon ça m'aurait pas du tout aidé. Et merci de m'en comprendre au passage. Et voilà. Et donc, par rapport à cette nouvelle aventure, eh bien, ça... C'est... Bah, mon but sur cette aventure, en fait, la nouvelle aventure, hein, la nouvelle série que je compte lancer, ça va être quand même de continuer à construire. Hein. Pas d'arrêter, parce que. Voilà, j'aime bien construire. Et c'est ça qui va justement. C'est ça qui va justement rendre le truc drôle, quoi. Comme ça, au moins, moi, je m'amuserais si. Parce que. Ouais, j'aime bien construire, je trouve ça drôle. En principe, en principal, la redstone, j'adore ça. Ce qui fait tout simplement que... Ouais, ce qui fait tout simplement que ça... Bah, que ça me fait plaisir, et j'espère que vous aussi, bah, ça vous fait plaisir. Et maintenant, je vais vous demander une chose assez spéciale, en fait, pour tout vous dire, c'est tout simplement, je vais vous demander d'aller regarder ma toute première vidéo. Vraiment, c'est très très important pour moi. Et j'aimerais que vous me dites qu'est-ce que ça a changé. Est-ce que je me trouve vachement plus à l'aise maintenant que j'ai sur YouTube, je me sens vachement plus à l'aise. Parce que il y a des personnes qui savent pas. Mais en fait, j'avais commencé YouTube d'une autre façon. Donc les personnes qui savent pas, bah, je vais vous raconter. En gros, j'ai commencé YouTube il y a plus longtemps peut-être que vous le pensez. Pourquoi donc vous pouvez pas voir mes vidéos? Et bah, c'est une excellente question. C'est moi qui ai décidé en fait de supprimer ces vidéos parce que je les trouvais nuls. J'ai voulu recommencer une série. C'était l'aventure Minecraft. C'est exactement le même nom pour les gens qui s'en rappellent. Et bah voilà. Pardon. Et c'est juste ça que je voulais vous dire, c'est juste, vous vous rendez peut-être pas compte, mais sur ma première vidéo que j'ai lancée, en 2 heures, j'avais 16 vues. C'est pas ce que je fais en ce moment, c'est pas le nombre de vues que je fais en ce moment. Et c'est ça que je trouve incroyable, peut-être que, en fait, c'est parce que, là quand je l'avais quitté, supprimé la vidéo, j'avais 45 vues, et elle avait que 3 jours de trucs, donc je me dis, bah oui, mais c'est dingue, c'est cool, ça fait plaisir aux gens que je lance une aventure comme ça. Alors je l'ai supprimé l'aventure parce que je la trouvais nulle. Et je l'ai recommencé. Donc cette aventure que voilà maintenant que vous connaissez sous le nom de l'aventure Minecraft, que vous connaissez extrêmement bien, que vous connaissez extrêmement bien pour les personnes qui regardent mes vidéos, et bah vous avez aimé. Vous avez principalement aimé, ça j'en suis
touché. Ça me touche, moi, que vous aimiez mes vidéos. Pourquoi ? Bah, c'est quand même cool de penser qu'il y a des gens qui vont sur YouTube juste pour vous, juste qui vont peut-être lancer et qui vont mettre peut-être, je sais pas, imaginons, qui vont peut-être mettre 2 heures à lancer quelque chose juste pour vous, juste pour regarder ce que vous faites, juste parce qu'ils aiment votre contenu. Et moi, ça me touche, franchement. Je suis un petit YouTuber et juste que vous vous rendiez compte que bah, que je fais ça pour le plaisir et pas pour YouTube, ça me fait plaisir, quoi. Donc certes que mes vidéos ne soient pas d'une qualité incroyable, je peux vous comprendre, mais aller jusqu'à aller jusqu'à juste ouvrir YouTube juste pour moi, ce qui, je pense que pour l'instant, c'est pas possible, personne ne fait ça pour l'instant, bah ça me touche. Faut que vous le sachiez, voilà, pour les personnes qui aiment mes vidéos, et bah ça me touche. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et cet objectif de like va pas me servir pour faire mieux connaître ma chaîne. Au contraire, c'est être juste pour voir si vous aimez mon contenu et pas que vous êtes tombé dessus par hasard. C'est juste ça. C'est juste ça, en fait, ce que je vais vous demander. C'est juste de liker. Et donc, cet objectif de like lancé que je vais lancer, je vais vous dire pourquoi. Ça va être tout simplement par rapport à la carte. Mais ça, je vous expliquerai ça un tout petit peu plus tard. Donc, on a notre moulin à eau étant juste ici. Donc, logiquement, faut juste que je regarde un truc par rapport à... Mince. Faut juste que je regarde un truc pour donner plus de relief. Parce que là, pour l'instant, le design... Et bah il est tout plat, hein. Et ce serait cool de lui donner un peu de relief, que j'arrive pas à monter du tout sur là-haut. Et donc exceptionnellement, cette vidéo va tout simplement durer plus longtemps. Et voilà, parce que cette vidéo, je pense que c'est probablement la vidéo où je me suis le plus amusé. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce qui se passe là en ce moment... Pour moi, mes parents, on va dire, ils ont toujours pensé que YouTube, ça servira à rien, c'est mort dans pas longtemps. Et je vais pas dire non plus que je suis au stade, ouais, je peux gagner ma vie avec. Loin de là, j'ai que 5 abonnés, franchement. Et juste ces 5, ça me suffit largement. Et donc sur ce, pour la fin de la vidéo, si vous le permettez, je vais juste me mettre en créatif 2 petites minutes. Juste pour vous donner des images de tout ce qu'on a fait depuis le début de cette aventure. Tout ce que ça nous a donné. Le soleil d'ailleurs en train de se coucher. Donc tout ce que ça nous a donné. Est-ce que vous vous rendez compte au moins qu'on est allé jusqu'ici, qu'on est allé jusque là, qu'on a fait tout ça. Moi franchement, je vous dis juste merci. Parce que c'est incroyable, c'est juste incroyable ce qui est en train de... Car on n'a pas... On n'a peut-être pas passé le stade de... On n'a peut-être pas passé un grand stade sur la chaîne, mais moi, ça me fait plaisir qu'il y ait des personnes qui regardent mes vidéos, qui sont là pour moi, qui aiment mes vidéos, voilà. Donc, pour cet objectif de like, j'ai juste vous dire pour la carte, en fait. Tout simplement la carte, tous les 5 likes. C'est pas... Je pourrais dire 2 likes, mais 2 likes, c'est trop simple, parce qu'il suffirait qu'une seule personne like. Parce que moi, je like mes vidéos... Ça fait un like, donc 5 likes. Tous les 5 likes, je vais probablement faire un truc exceptionnel. Peut-être 1-2 minutes de plus. Peut-être que les vidéos vont durer 20 minutes, je sais pas. À voir, mais bon, il y aura quelque chose de plus, de supplémentaire sur les vidéos. Et bref, quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker. Vous abonner si ce n'est pas fait. Puis moi, je vous dis bye!